Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est The John. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Creatures of Sonaria. Aujourd'hui nous allons tester le Reviathon. On va voir ce qu'il vaut. C'est un omnivore. 3000 PV, attaque 150. C'est un niveau 3, c'est déjà mieux que 2. Alors, le Reviathon est généralement un nageur très rapide, mais avec peu de défense en raison du fait qu'il n'y a rien pour le protéger dans son corps. Sa façon d'attaquer varie parfois avec un coup de queue. Ouais, on va voir, hein. Je vais donner des coups de queue. Bah c'est bon, on est tout prêt. Ouais, je le mets là. Et là. Bon, les couleurs, je les change jamais. On va rester femelle. Oh. Alors, le mâle, il y a des picots devant. Ok, c'est comme ça, je peux différencier si je tombe dessus. Je sais plus parler, c'est bon. Bon, non, j'ai toujours été mal, moi. J'ai toujours été mal. On est parti. Ah, on est dans le froid dès le début. Ah, ok. Il y a des papates, donc, monsieur. Je pense pas qu'il peut sortir de l'eau. J'ai pas envie de tester. Suffit que je teste et que ça part en cacahuète, hein. Ça serait bête dommage. Je peux sortir de l'eau comme ça en faisant cucu. Ah, il pourrait sortir de l'eau, ça serait cool. Donc voilà, on est parti pour un Reviathon. Le problème, c'est que je sais pas quoi faire en aquatique. On va rien pouvoir faire. Bon, je vous fais une petite vidéo toute courte, vous voyez, ça va être juste pour vous le montrer une fois adulte, je pense. Parce que en aquatique, qu'est-ce que je peux faire? En vidéo, rien. S'il n'y a pas de joueur aquatique, bah, c'est fini. C'est le problème. Ouais, j'ai plus des stams, c'est pas grave. Tu reprends très très vite ta stam. Donc là, en plus, c'est ce qui est pratique, c'est qu'on a que la nourriture à surveiller. On va dire. Et manger, on peut manger de tout. Des viandes, je pense. Ça, c'est à manger. Non. Ah, si je trouve pas des baies, je prendrai directement du poisson. C'est quoi ça? J'aurais de la fumée gazeuse. Eh. On dirait des gaz toxiques. Alors, bon, après, il nage super vite. Ah, peut-être là. On a des arbres sous l'eau. Ah bah, j'en ai un cas. Ça doit être comme moi, ça. Bon, plus évolué, mais... Je vais pas trop m'en approcher pour l'instant. On va grandir. Des bruits, pas oh, des galeries. Oh. Ouais, je prends celle-là. Hein. C'est ma maison. Voilà, c'est tout. Hop, on peut faire ça. Hein. T'as entre, oh, je crois que c'est un deal à une créature. T'as entre potes là, tranquille, chacun chez soi. Allez, hop, allez, moi je vais ici. Attendez, je regarde un peu. Hein. Je prends la meilleure. Je prends le meilleur terrier, enfin, la meilleure caverne. Ouais, pas mal celle-là aussi. Hop. Oh. Ah, ça redonne chez le voisin. Oui, donc celle-là, celui qui a ça, il y a deux propriétés. Attention. Ok. Ah.
Bon, ben voilà, il ne me reste plus qu'à faire grandir cette petite bête. Après, je sais vraiment pas ce qu'on va faire avec. Hein. Là, y a plein de joueurs, mais ils sont tous en surface, sûrement. À part là, je viens d'en voir un. On verra. Je vais déjà le faire grandir. 30 minutes. C'est sûr que 30 minutes, ça fait une vidéo. Je vous fais une petite vidéo 30 minutes, et voilà. Mais bon, je vais pas vous faire endurer ça. Voir nager, attendre de manger, de grandir. Bien, dans tous les cas, ça se peut qu'une fois adulte, il se passera rien parce qu'il n'y aura rien. Je vous reprends dès qu'elle est adulte. Donc, velay. Enfin, on est adulte. Bon, pas full adulte, je suis à 78%. Pour le restant, je vais le faire avec vous. Au cas où vous croiserez quelque chose, parce que quand j'étais bébé, il y a quelque chose qui a voulu me mordre. Il a cherché à me mordre les fesses. Bon, par contre, si on trouve rien à un certain moment, je repartirai sur. Ah, je sais plus son nom. Bah, sur celui que j'ai fait la vidéo avant. Le volant. Comme ça, je vais pouvoir tester parce que j'ai eu un commentaire qui m'a dit comment voler. On va pouvoir planer en appuyant sur F. Donc, j'irai faire un test avec vous comme ça. Et je remercie pour le commentaire. Moi, avec les commentaires, ça m'aide à comprendre le jeu, à comprendre comment utiliser les créatures. Je peux le faire par moi-même, mais ça prendra plus de temps. Et là, grâce aux commentaires, ben, je peux facilement trouver comment faire fonctionner tout ça. Bon, y a-t-il des créatures? Je n'ai point l'impression. Hein. C'est pour ça que je vous prends maintenant, comme ça au moins je continue de grandir tranquillement. Et puis si je croise quelque chose, bah on essaie de se battre, on meurt, on meurt. Mais faut bien se battre. Hein. Il y a déjà pas beaucoup d'aquatiques, alors si je passe à côté, c'est quoi? Si je passe et puis que j'attaque pas, ben ça sert à quoi? Non, moi je n'attaque pas si je suis pas obligé parce que voilà, si j'ai faim, je suis obligé d'attaquer, c'est sûr. Après cette créature-là, le problème c'est qu'elle peut manger des bébés, donc je peux pas dire que je meurs de faim. Je trouve un petit buisson, hop, je mange. Ah, quoi qu'il faut les trouver les petits buissons. Bah, il y a des fois j'en vois pas. Ah bah voilà. Ah, je passe pas? Ah, je croyais que j'étais trop gros, j'allais dire oh. Oh, quand même, traite-moi de grelère. Bah, reprends ta stam, parce qu'on peut jamais savoir. C'est quelque chose de gros qui arrive, au moins que j'ai de quoi me défendre. Ou alors de m'enfuir, hein, si vraiment c'est trop gros pour moi. Mais bon, un petit. Ouais, une créature. Toujours pareil, un truc à peu près au même niveau que moi. Pas trop gros, ça sert à rien, il va me tuer. Ça va faire quoi? Ben, je meurs encore. Non, quelque chose où je peux faire un petit combat, un beau petit combat. Alors. Je tourne en rond, ouais. Je crois qu'on va être seul. Hein. C'est vrai que c'est dommage que les fonds marins ils sont un peu abandonnés. Ah, il y a quelque chose devant moi. C'est quoi? Ah bah non, c'est quoi?
Hein? Modèle? C'est quoi de ce truc? Bon, allez. Des poissons. Ouais, mais ça, c'est des poissons. Ça, les petits poissons-là, je sais qu'ils m'attaquent. Donc, regardez, il me court après. Ah! Il est plus dangereux que moi, en vrai. Voilà. Ça aussi, vous voyez, même sur Roblox, c'est bien fait. On peut prendre les carcasses. Hein. Ouais, je me balade avec mon morceau de viande. Bon, par contre, on peut attaquer aussi avec quelque chose dans la bouche. C'est ce que l'autre créature, elle m'a fait. Elle me mordait les fesses alors qu'elle avait un gros morceau de carcasse dans la gueule. Mais bon. Monsieur, il en faut toujours plus, hein. Mais c'est ça que je dis. Vous voyez, même là, j'ai encore eu la preuve de quoi que le mec a mangé. Mais non, il veut me tuer pour... voilà. Il n'y a pas beaucoup de monde dans l'eau, ça serait dommage de me tuer. Surtout quand t'es bébé. C'est-à-dire que ça fait une créature en moi dans l'eau. Bon, après moi je connais pas trop, donc si j'attaque quelque chose, je crois que c'est pas un bébé, ben, ah, désolé. Mais là, je pense qu'on va pas avoir grand-chose dans l'eau. D'ailleurs, je fais le tour à part celui qui m'a mordu les fesses. Là, je suis en train de regarder avec vous. Oui, et puis c'est ça, on va repartir sur le volant que j'avais. Là, le test avec la touche F. Ah, il y a de la carcasse. Va-t-on tomber sur quelque chose d'énorme? Surveillons-nous derrière. On va mettre la surface. Il y avait quelqu'un, mais il n'y a plus l'air d'avoir quelqu'un. Ah, sous, comment dire, les fonds marins, c'est pratique aussi. Regardez, il peut pleuvoir, avoir une tornade, il peut tout avoir. Vous êtes tranquille. Ah, justement la preuve, une tornade. Oh, je suppose que je suis planté. Par contre, on voit rien là. Et là aussi, il y a une carcasse. Il y a quelque chose. Hein. Bon, c'est peut-être pas un endroit pour se battre aussi, hein, si c'est vrai. De toute façon... Il y a quelque chose qui doit grandir dans le coin. Ou alors qui est grand mais qui mange. Bon bah, c'est vrai que c'est chaud quand on est marin. Parce qu'on tombe sur des créatures au hasard, mais les marins, il n'y a pratiquement personne. Ou moi là, j'ai des pattes, je sais même pas si je peux sortir de l'eau, je pense pas. Et j'ai pas envie de mourir bêtement sur le bord de l'eau, c'est vraiment bon, ça déconne. Que je me mets sur le bord et que je peux plus retourner dans l'eau. Parce que oui, sinon je le fais. Faut pas se poser sur les papattes. Non. Ah, allez. Mais c'est un bébé, je veux pas te tuer le pauvre. Et lui par contre c'est un semi, il peut aller sous terre.
Ah oui, c'est un bébé. Non, quand même quelque chose de ma taille. À manger, je peux pas me plaindre, j'ai à manger dans l'eau. Donc voilà. Je suis vraiment en rupture de nourriture. Un bébé, je le mange. Là, j'ai du pétiole, j'ai des plantes. Je voudrais bien celui qui m'a mordu les fesses là. Il est où celui-là? Il est où celui-là? Comme ça, paf! Là, on fait un combat, je suis full adulte, je pense. Voilà. Juste pour voir que, si mon dinosaure c'est du bon. Ah, ma créature. Puis on n'y voit rien dans cette eau. J'espère que vous allez voir quelque chose par contre. Il n'y a pas de nocturne. Non. Ah, justement. Et comment on l'enlève le stockage quand on l'a fait? Est-ce que je peux rentrer dedans? J'ai rien mis comme stockage, donc non. Et comment on l'enlève une fois qu'on l'a posé? Tu as déjà déposé un stockage de nourriture. Bah ouais. Bah tant pis, hein, je laisse là. Le stockage de nourriture, il est vide. Après, c'est pratique ça, le stockage de nourriture. Parce qu'on pose ça, on fait un nid à côté, hop, on peut nourrir les bébés. Mais là, il n'y a rien. Il n'y a personne qui a l'air d'être tenté de jouer des aquatiques. Bon, là je pense qu'on va changer de créature. On va reprendre le volant. On va aller faire un petit tour, voir tout le monde. Peut-être que ce coup-ci il y aura quelque chose, un petit combat, je sais pas. Moi je suis pas agressif, moi. C'est plus ça dépend des gens. Si je vois qu'on me cherche, bah, je vais passer, je vais mordre aussi. Hein. C'est sûr qu'ils ont l'avantage sur moi parce que c'est eux qui vont vouloir m'attaquer en premier. Après, je suis pas quelqu'un de PVP, donc c'est pour ça que j'attaque pas. J'admire, je découvre les jeux que je joue et je me défends. C'est tout. Parce que même si on n'est pas PVP, hein, ce jeu-là, il vaut le coup d'y jouer juste pour la beauté des créatures. Et puis pour tous les découvrir. Hein. Hey, c'est du Pokémon, attention! Dès qu'on a assez de champignons, paf, on peut se prendre une nouvelle Pokéball. On peut admirer nos créatures. Attendez. C'est du Pokémon. Hein. En plus, regardez-moi ça. On a comme de belles créatures. Elle est pas moche, ma petite créature. Vas-y, fais un petit cri pour dire que t'es pas moche. Ouais. Bon, tu peux fermer ta bouche, merci. Bon, il manque un peu d'animation quand même. Mais bon. Donc voilà. Bon, bah, je pense qu'on va se laisser là pour cette créature. On va repartir sur une autre. Je vais pas refaire une prod d'une nouvelle créature, mais bon. À moins que vraiment j'ai de la chance de retomber sur une belle. Une belle créature. Plus que niveau 2, parce que niveau 2, c'est des amuse-gueules pour les gros. 3, je sais pas. Justement pour ça que je voulais voir, mais personne dans le. Et je sais pas jusqu'à combien de niveaux ça monte les créatures. Bon allez. Oui, ça va. Même pas te mettre en surface, on te voit pas. Menu, hop. On va changer. Ah, c'est dommage les aquatiques. Il manque un peu de vie au fond.
Tout le monde est sur la surface. Donc, bah, on va repartir sur lui. Faire un test avec la touche F. Puis comme ça, on verra plus de monde. Alors, je suis où? Bah, ils m'ont remis très loin. Je m'étais arrêté là? Ben non, j'étais arrêté avec tout le monde. Bon, bah, c'est pas grave. On décolle. Donc, attention. Ah ouais. Ah ouais, ça change tout. Et je remercie pour le commentaire, parce que ah ouais, ça change tout. Ah bah oui, je peux voler autant que je veux maintenant. Mais non, bah attends, je t'admirais. Ah ouais. Ah non, oui, ça change quand même tout. Alors, ouais, parce qu'ils m'ont pas remis où j'étais. C'était où? C'était là, je crois. Alors, y a-t-il des créatures? Alors, ouais, bah ouais. C'est de la grosse créature. Ah ouais, j'aime bien les oviraptors. Omnivore plutôt. Parce qu'au moins on peut manger tout ce qu'on veut. On peut manger soit des blés, soit de la viande. Et moi qui n'ai pas trop tueur de créatures, bah les blés ça me va. Tu m'invites à ta mettre. Je peux rejoindre, ça me dérange pas. C'est un bébé. Par contre, comment on fait? Parce que s'ils veulent me parler... Il est où? Bah, je suis reperdu son pseudo. Il était là, son pseudo, et il a disparu. Ah, là-bas. Bah, il a disparu aussi. Bah, ils m'ont pris dans la remette et ils sont partis. Ah, moi, qu'on a une distance. Bah, c'était un aquatique ce qu'il y avait là. Bah, ouais, mais je comprends pas pourquoi les pseudos ils apparaissent et ils disparaissent. Ça comme moi. Ah ouais. Hey, salut. Oh, ah bah d'un coup. Je vais me poser là parce que d'un coup je vois plus rien. Oh, il s'est posé directement sur un gros. Il serait méchant, le truc, il le bouffe.
pense que quant à ça, hein, tu dois pas avoir peur de grand chose. À manger, à boire, ok. Ah bah oui. Je fais quoi? Je bois, je mange. Ah oui, il faut appuyer plusieurs fois, je sais pas pourquoi. Hein? Rejoindre. Rejoindre votre pack. Bah, j'ai pas de pack moi. Mais bon, il est où? Je sais pas. Je t'accepte, je sais pas. Ah, ok. Oui, mais tu peux enlever ton message. Comment on enlève le message maintenant que j'ai cliqué? Bon, c'est difficile de voler, hein. C'est dit, ça a été dit. Ah! Je tombe. Bon bah je retombe. Je me pose un peu pour l'instant. Ah mais j'ai le message qui reste affiché. Ah voilà. Ah oh bah, moi je monte et lui descend. par contre, je surveille aussi qu'on m'écrit pas. Parce que je sais pas si on peut faire des... Écrire en privé. C'est quoi ça, un dragon? Oh mais il y a de ces créatures. Tant que tout le monde s'entend bien. Bah non, ma stam, elle remonte plus. Ben oui, je suis là, je suis au-dessus de toi. Mais... Non, je dois reprendre ma stam un petit peu. Je suis en haut, je suis en train de me remettre de la stam. Ah, il a changé de dino. Bah, de créature. C'est pour ça, peut-être qu'il renvoie une habite. Oh, elle a l'air d'être bête, cette créature. Ah non, je suis pas un omnivore. Ok, bah je vais manger des baies, c'est bon. Ça me dérange pas, t'inquiète. C'est vrai qu'elle est longue cette créature, elle perd quand même vite sa stam. Mais bon, grâce aux commentaires qu'on m'a dit, là maintenant je peux voler. En appuyant sur F. On me met en mode plane. Ça change tout. Bah, il est revenu comme moi. Je sais pas ce qu'il fait. Mais j'arrive pas à manger. Bah ok, j'ai fini ma mission. Manger. Ouais, mais moi je veux manger. Vous avez terminé la mission de manger de la nourriture. Ah ouais, parce que j'allais dire, bah, il mange pas, il va mourir de faim. Moi, une animal, moi, ma créature. Ça serait dommage. Par contre, pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu... Je sais que pour vous, ça doit être vraiment ennuyant, mais même pour moi, moi qui n'ai pas quelqu'un qui se bat, là, je sais pas quoi faire.
pour les spécialistes, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous jouez à ce jeu-là? Vous détruisez tout le monde ou vous êtes cool aussi, parce que tout le monde est cool? Je demande, hein, pour les spécialistes qui regarderaient ma vidéo. Parce que... ouais. Après, je connais pas les catégories et tout ça, donc je peux pas attaquer n'importe quoi non plus. Ça serait dommage. Si j'attaque une créature beaucoup plus puissante que moi, ça sert à quoi? Comme sur Zia, on sait que les jeux de dinosaures, on prend un gros Rex, on sait qu'on peut quand même attaquer pratiquement tout. Je vais pas me mettre un petit dinosaure, un Drio sur un Rex, voilà. Là, c'est la même chose. Je suis à niveau 4, mais qu'est-ce que je peux attaquer? En plus, je suis un Herbie. Les Herbie, c'est pas agressif, normalement. Ah, là, je... Ah, maintenant, je reçois encore un nouveau pack. Et je pack tout le monde, moi. Encore la même race, ça serait cool. Parce que, justement, je les suis, puis je vois ce qu'ils font, eux. Et ben, je refais à peu près... J'apprends comme ça. Permettre. À rejoindre, je sais pas, moi, rejoignez. Tout le monde peut me rejoindre, c'est pas un problème. Je peux aussi rejoindre tout le monde, c'est pas un problème. Ah, ça c'est un Gronif. C'est pas mon nid de la dernière fois, ça. Ah, je peux le manger dedans. Salut! Ah ouais! C'est cool! Ah, je cours pas, ma créature elle s'épuise pour rien. Ah là, il y en a un comme moi. Ah, ça fait du mal. Ah, le plat. Eh, salut! Ah, il est attaché. Hop. Ah, c'est pas français. Parce que oui, français, je... ça serait mieux quand même des français. Hein. Hop là. Ah, notre loup. Ah, c'est cool. Ah mais tu peux écrire monsieur, je... Oh ! Ah bah là désolé, c'est même pas de l'anglais non plus. Attends. Ah là il y a un français mais c'est pas... c'est lui qui écrit. Ouais. On pique. Ouais. Mais j'ai vu aussi que normalement, bah, je suis pas sûr, hein, mais il me semble qu'il y a eu des attaques. Ils ont des attaques spéciales. Certaines créatures, j'ai vu. Oh là, quelle chute magnifique. Pleuf, je prends mon bain. Ça dérange. Ah ouais, j'ai pas pied. Bah, je vais encore cliquer sur rejoindre. Je rejoins tout le temps. Je suis là, t'inquiète. Hein. Ah, là, c'est tous les mêmes que moi, non? Je vais me coucher un petit peu. Hop. Ah voilà, on est nombreux là. C'est tous les mêmes. Non. Parce que quand on regarde non plus, ils font pas trop de choses.
On vole. On peut rien faire. Hein. Oh, le temps est pas beau. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, en se mettant dans un pack, l'inconfort est moins puissant. Donc ça, c'est cool. Ah, il y a des coups, lui. Ah non, il fait des deux. Je vais descendre en bas. Hein. Hop. Eh, salut, toi. Toi aussi, tu fais dodo. Avec un temps comme ça, hein. On ne peut que dormir. Hop, je passe à côté, t'inquiète. Ouais, ça va pas marcher. Ah, je vais me mettre là. Bon, bah, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Il n'y a rien de spécial à faire. La créature aquatique, bah, c'est un peu dommage. Il y a personne dans l'eau. Il n'y a pas beaucoup d'aquatiques. Bon, là, on voit du monde, hein. Mais c'est pareil, vous voyez, eux aussi sont là et puis ils déco. C'est vrai que dans le jeu là, j'ai du mal à comprendre les créatures. Il y en a qui attaquent, mais tout le monde est à peu près cool, donc ça serait dommage d'être le méchant de ce jeu. Faire un petit tour en bas et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Hop là. Parce que vous voyez, je pourrais attaquer là la petite créature, elle m'a rien dit, elle m'a rien fait, mais juste pour le plaisir, je lui donne un petit coup de bec. Bon, lui par contre, je pense que son niveau, c'est pas un niveau 4 celui-là. C'est comme si que je me bats, comme je vous dis, je suis Andrio avec un Rex. Ouais, je remonte. Faut pas perdre ma bête bêtement. Encore un combat de volant, ça serait cool. Entre volant, ouais, un super combat comme ça. Oh, on va aller là-bas. Attendez, on se recharge. Ah bah non, c'est vrai, je peux voler. Là, ce commentaire qu'on m'a donné. Hop. On est parti. Rejoindre. Inviter à rejoindre leur nid. Ah bah non, j'ai pas. Je sais même pas si je perds ma créature. Ah bah oui, mais non, ça serait bien dommage de tuer ma... Bah je viens et puis il disparaît le monsieur. Ouais non, puis si bien je vais arrêter. Après oui, je peux tomber sur une belle créature. Ah. Mais voilà, il passera la créature actuelle. Ouais non, je préfère une... Bah alors un niveau 2. Et recevoir un... une invitation à un... Oui, là je le prends. Ah bah oui. Je tombe sur un bon petit niveau. Là, je vais me déposer. Hop. On va se poser, il fait froid. Et c'est bien ça, ça, les jeux. Sur Roblox, j'ai remarqué, ils ont les changements de climat. Et ça, c'est super. Et ça fait pas laguer, rien du tout, hein. C'est un changement de climat, paf, ça passe nickel.
On va faire dodo, il fait froid. Désolé, celui qui m'a envoyé ça. Je fais déco. Mais pour le prochain coup, je prendrai un niveau 2, et puis si je reçois un Est, je le ferai avec vous. Parce que peut-être que, avec de la chance, je vais tomber sur une énorme créature. Rien passé de spécial, mais bon, j'espère que l'épisode vous aura plu. C'était The John, et je vous dis à très bientôt. Ciao!